Essaye pas de m'en trouver avant Miss France. On en trouvera après. Voilà. Miss France, bah du coup, c'est une femme élégante, moderne. Et de là, c'est vrai qu'en plus, moi qui suis dans les vins, c'est pas commun. En général, on pense que c'est pour les hommes. Et au final, je suis une femme et en plus, je suis Miss. Donc du coup, voilà, c'est une femme élégante, moderne, souriante et surtout gentille, à l'écoute des personnes. Et voilà. Je suis ravie du coup de représenter la sommellerie féminine du coup à une élection de Miss. C'est vrai que ça s'est pas beaucoup vu jusqu'à présent, donc voilà, pour revendiquer que nous aussi les femmes on s'est conseillé du bon vin. Et je suis native d'ici, je suis née à Chartres, je suis toujours restée dans la région centre, donc je me suis un petit peu promenée entre temps, mais du coup là j'ai vraiment envie de revenir dans ma région, surtout au niveau des vins, parce que du coup la vallée de la Loire est mondialement reconnue et maintenant du coup je commence à connaître pas mal de domaines, tout ça, donc voilà. Dans le Cher, on a beaucoup de vins, on a beaucoup d'appellations. Est-ce que vous viendrez chez nous bientôt? Mais oui, mais je vais faire tout. J'étais rentrée pour ça, de toute façon. J'avais déjà, en tant que Miss Eure-et-Loir, je comptais vraiment me poser cette année sur la région, parce que du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser sur la région, et c'est important, moi, que du coup, je sache parler de ma région dans le métier que je fais. Donc, bien sûr que je vais venir dans le Cher.